Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Ce matin, nous allons jouer avec Julie et Morissette pour commencer. Julie et Morissette qui reviennent pour la deuxième fois déjà et qui seront opposés à Xavier et Alexandre. Xavier et Alexandre qui viennent tous les deux de Lille, ils sont étudiants, l'un en fac d'anglais, l'autre en école d'ingénieur. Et ils aiment le sport, le basket, le tennis notamment. Bonne chance à tous les quatre. Ancien basketteur, c'est le meneur de jeu de notre équipe, mesdames et messieurs. Merci d'accueillir Thierry Beccaro. Non, je me débrouille encore pas trop trop mal. Hein. Non, vraiment, c'est vrai. Mon petit-fils, qui a 10 ans, joue au basket. Donc ça me permet d'en trouver quelques sensations. Ça. Ah. On se fait des passes et tout. C'est bien. Ça n'intéresse personne, mais je voulais simplement vous... Voilà, ouvrir la parenthèse et la refermer. Mais si, bon, les gens ont envie de savoir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque, Thierry Beccaro? Ils veulent reconnaître l'homme. Depuis 20 ans, ils commencent à me connaître. Hein. En tout cas, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous présenter ou vous représenter Morissette. Comment ça va, Morissette? Très bien. Toujours accompagnée de sa fille, Julie. Voilà. Julie en pleine forme. Oui, ça va. Bon, cette petite voix un petit peu éraillée, C'est pas que vous avez le trac ou que vous avez un chat dans la gorge. Non, j'ai fait la fête. Ah, c'est ça, d'accord. C'est une petite voix comme Claudia Cardinal, vous savez, qui est assez séduisante. Oui, c'est séduisant. Bon, ben, je vais la garder alors. Voilà, faites la fête le plus souvent possible. Voilà. C'est magnifique. Bonjour Alexandre. Bonjour Thierry. C'est la première fois qu'on se rencontre, oui, Alexandre. D'où venez-vous? De Lille. De Lille. Petit village en dessous de Lille. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre? Moi, je suis étudiant dans une école d'ingénieurs. C'est plutôt dans l'informatique. D'accord. Et il y en a encore pour combien de temps? J'ai encore 2 ans à faire au minimum. Bon, bonne chance, Alexandre. On dirait la prison. Ouais, j'ai encore 2 ans à faire. J'ai encore 2 ans à tirer, là. J'ai 2 ans à tirer. Et lui aussi, il s'est fait tatouer le plan de la fac pour pouvoir sortir rapidement. Le campus. Ça avait marqué tout le monde quand même, hein, ce feuilleton. Hein. J'ai jamais vu, moi. Ah, c'était incroyable. C'était comment ça s'appelait déjà? Prison Break, c'était incroyable. Depuis, ça a été repris dans certains sketchs et tout. Et voilà, et ici même, avec Alexandre, qui a donc le plan de la fac de Lille, c'est ça? Oui. Tatoué dans le dos. Ouais. Bonjour Xavier, vous êtes ami, copain, camarade? C'est mon pote, on se connaît depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Dans la même fac? On était dans le même lycée au départ. Hein. Bon. Moi, je ne suis pas dans la même fac. Et c'est donc la première fois que vous jouez avec nous. Oui. Bonne chance, voici les grilles pour commencer la partie. Xavier, Alexandre, avec un numéro magique qui vous permettra d'éviter une boule noire. C'est le numéro 35. Julie Morissette, pour vous. Alors, la grille qui permet de marquer 100 points, ça c'est une chose. Et le numéro magique, c'est le 22. Voilà, vous savez tout. Il nous reste à connaître le montant de la tirelire aujourd'hui, Tom. Un montant qui est de 2000 euros, Thierry, a gagné aujourd'hui dans la tirelire. C'est pas mal du tout, ça. Pour une première, Xavier, nous jouons avec des mots de... 8 lettres. De 8 lettres. Tout est prêt, nous pouvons commencer. Bonne partie à tous. Xavier, voici le M. Magicien. M-A-G-I-C-I-E-N. Moineau, M-O-I-N-E-1. N-E-A-U-X. Putain, ça commence bien. Bon, en tout cas, c'était. Ça allait parfaitement, hein, moineau. À tout à l'heure, Alexandre. Julie, la lettre bonus, la voici. Menteuse, M-E-N-T-E-U-S-E. Manchot, M-A-N-C-H-O-T-S. Magique, M-A-G-I-Q-U-E-S. Mouchoir, M-O-U-C-H-O-I-R. Très bien.
Morissette, je vous laisse mélanger le 22. C'est votre numéro magique. 54. Le 54. Julie. 56. Nous continuons avec vous, Julie, à la recherche d'un mot commençant par G. Géranium, G-E-R-A-N-I-U-M. Galérien, G-A-L-E-R-I-U-E-N. Hésitation, Morissette. Oui. Xavier, voici la lettre bonus. Le A. Gauloise, G-A-U-L-O-I-S-E. Gérondif, G-E-R-O-N-D-I-F. Galloise, G-A-L-O-I-S-E-S. Je crois qu'on aura besoin des deux L. De deux L, Thierry. Alors, Julie, une lettre supplémentaire, ce sera la lettre P. Galopin, G-A-L-O-P-I-N-S. Galopin. Galopade, G-A-L-O-P-A-D-E. Allez, Morissette. Alors, si vous tombez sur le 6, Julie, vous marquez 100 points. Alors, nous continuons, Julie. Nous cherchons un mot qui commencera par un D. Divorcer, D-I-V-O-R-C-E-R. Débutant, D-E-B-U-T-A-N-T. Déboîté, D-E-B-O-I-T-E-R. Ça vous fait déjà 150 points, Julie. Allez-y, le 6. Moi ? Allez-y, vous mélangez le 6, le 22 en numéro magique. 8. Morissette. 66. Allez, nous continuons. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Vous vous êtes fait mal, Morissette. Alors, oui, je me suis piqué. Vite, les soins d'urgence. Je me suis piqué. Non, ça va. Vous vous êtes piqué? Oui, parfois, je ne sais pas. Ou ça brûle un peu, vous savez. On a mis des pics sur les... On a mis des oursins à la place des boules noires. C'est sympa, hein, franchement. Hein. Et comme ça, vous la sentez, vous ne la prenez pas. Hop. En fait, c'est certainement le frottement. Oui, 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 c'est ça. Sur le plastique. Oui, j'ai dû... pas grave. Bah, moi, je surveille. Hein, quand vraiment, il y a une mare de sang, là, on intervient. Ah, d'accord. Morissette, soyez forte. Voici le A. Amoureux. A-M-O-U-R-E-U-X. Aoutien. A-O-U-T-I-E-N-S. Avocate, A-V-O-C-A-T-E-S. Adorable, A-D-O-R-A-B-L-E. Bon, alors le 6, le 70, allez-y Morissette, sans vous faire trop mal. Le 10. Julie. 46. Vous avez Alexandre et Xavier qui vous surveillent à chaque mélange. Là, ça se rapproche oui. Sérieusement, là, quand même. Hein. C'est à Morissette de jouer avec la lettre H. Hideuse, H-I-D-E-U-S-E-S. Housse, H-O-U-2-S-A-I-E. Hérisson, H-E-R-I-2-S-O-N. Habitant, H-A-B-I-T-A-N-T.
Handball, H-A-N-D-B-A-2-L. Handicapé, H-A-N-D-I-C-A-P. Oh, handicap. Bon, si je puis me permettre, c'est plutôt handball. Hein. Oui, handball. Handball, hein, c'est un jeu d'origine allemande. Donc voilà. D'accord. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste comme ça. En revanche, c'est plutôt pas mal pour Xavier qui lui va récupérer le I et nous dire handicap, H-A-N-D-I-C-A-P. Merci. Écoutez, de temps en temps, ça fait pas de mal d'avoir un petit peu de chance. Allez-y, Xavier, vous mélangez, s'il vous plaît. Le 51. 51. Et pour Alexandre, ce sera... Oh là 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 là. Le bol. Aïe. C'était obligé. Première assez compliquée pour l'instant. Mais ça va encore, hein, 200 à 50 avec le dernier mot qui vaut 100 points. Qui arrive maintenant ? Non, c'est pas vrai. Au début, c'était pour un les plomber garçon. Encore plus. C'était un gentil garçon au début. C'est vrai. On lui donnait le bon Dieu sans confession et maintenant il me fait des petites niches. Ne vous fiez pas à l'arrêt de côté, la petite chemise. Eh oui, sadique. Nous jouons avec Julie. Julie, voici le C. Carapace, C-A-R-A-P-A-C-E. Chanteur, C-H-A-N-T-E-U-R. Crétine, C-R-E-T-I-N-E-S. Calculer, C-A-L-C-U-L-E-R. Chantier, C-H-A-N-T-I-E-R. Alors là, c'est important pour vous. Xavier, voici la lettre O. Courtier, C-O-U-R-T-I-E-R. Bien vu. Bien joué. Vous voyez, vous n'avez plus que 100 points de retard. Donc maintenant, il faut faire le bon mélange. Non, ouais. Allez, Xavier, allez-y. Le 21. Alors, le 21. Jusque-là, ça va. Le 61.